ça a une tête à gauche. C'est un match de foot. Elles sont là, les Romains. Ils sont où? Ah. Papa, regarde. Match nul. La princesse. En rouge. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, le Stadium de Rome a été construit sur une colline conquise par Jules César en 58 avant Jésus-Christ. Il y installa ses premières sentinelles qui avaient pour mission de surveiller la colline d'en face, à laquelle il choisit de donner le nom d'une légion, la légion sifflotante des Alouettes. Le mont des Alouettes. Nous voilà dans une fin d'empire troublée au 3e siècle après Jésus-Christ, au début du règne de l'empereur Dioclétien. Et nous nous retrouvons pourtant resplendissants des jeux du stade et autant. Et les traînés.
citoyens du monde. Vous êtes ici sous la protection des aigles noirs de l'Empire. Je demande l'évacuation de cette tribune de petits coqs. Nous sommes sous la protection des coqs gaulois. Vous êtes venus ici pour saluer la gloire éternelle de roi. Votre seul patrie. Non, c'est la Gaule. La Gaule n'existe plus. Il n'y a que l'Empire. Je suis la puissance. Je suis le monde. Je suis là au nom de notre divin empereur, Dionysia. Vous, les Gaulois, vous avez peur que...
qui touche le poisson, nous sommes près du feu de mer. Soleil, regarde, les flammes ont disparu. C'est un miracle. Nous sommes sauvés. Tu as trahi le peuple de Rome. À mort! Gaulois et Romains, c'est à vous désormais qu'il revient de trancher le sort de cet homme. Mais avant, écoutez-moi. Le sang n'a-t-il pas déjà trop coulé? Allons-nous répondre à la mort par la mort? Il a raison! Il a raison! Voici venir les temps nouveaux. Alors,